Salut la famille, salut la Mifa, salut la mafio. Ah là là, Karine, elle en flippette encore. Vous savez que là, elle est en train de se vanter par rapport à ses 300 abonnés. Je rappelle que sa chaîne existe depuis 2016, qu'elle n'avait jamais réussi à percer sur YouTube, qu'il a fallu qu'elle me fasse un cyberharcèlement pour arriver d'avoir 300 abonnés. Et comme il y a des gens aussi chez moi qui travaillent dans l'ombre, elle a été signalée au maximum par rapport aux horreurs qu'elle raconte ces derniers temps. Et notamment, je l'avais prévenu, parle pas des morts, parce que c'est bien beau de dire que moi je suis en guerre contre toute ma famille et contre d'autres personnes. Mais tu sais, à partir du moment où tu parles des morts des gens, il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout et qui te disent, laisse les morts tranquilles, laisse-les tranquilles. Tu vois, c'est ce que tu n'as pas fait. Tu vois, et aujourd'hui, tu as ce que tu mérites et bien sûr, hein, comme d'habitude, dès que tu es signalé, hein, dès que tu as des problèmes, hein, allez hop, on enlève les vidéos, ouais. Hein, il y aurait peut-être un petit avertissement, là. Non, pas d'avertissement, toujours mise en garde ou quoi. En tout cas, tu mets tout en privé, je croyais que tu n'avais rien à te reprocher, tu es une grosse flippette. Moi, je te le dis, de toute façon, hein, on l'a bien vu avec ma chérie Belita, hein, que tu as insulté copieusement et puis après, hein, tu es passé au cap supérieur, hein, en insultant Florence, Florence qui est morte en 2020, hein, qui est une femme que j'aimais, une femme que j'ai respectée, une femme qui est vraiment, on allait loin ensemble, tu vois. Et il y a les gens, ben, tu vois, de sa famille, ils savent quand même, hein, l'amour qu'on avait tous les deux, rien à voir avec le ramassis de conneries que tu as raconté pour essayer de m'atteindre, tu vois. C'est d'autres qui t'ont atteint, tu vois. J'ai même pas bougé, moi, je peux pas bouger. Tu vois, moi, je ne sais pas faire tous vos signalements à la con, parce que sinon, ça fait longtemps que ta chaîne, elle serait supprimée, comme celle de Scalu, hein, le proxo, là, le pédophile, là, comme on l'a dit, hein, le chef de réseau, hein, qui lui, tous les jours, hein, fait des vidéos. À vous deux, franchement, alors il n'a pas compris ça aussi l'autre fois. J'ai pas dit, toi, tu as fait une vidéo, 300 vidéos contre moi, Patrika. J'ai dit qu'à vous deux, vous en étiez à 300, 400. Hein, je sais pas, il y a des cotons-tiges, tu veux que je t'envoie des cotons-tiges? Ben, quand tu viens me voir à Aubervilliers, si tu veux, pour le déplacement, je t'offre un paquet de coton-tige. Parce que vraiment, dans ta tête, tu ne comprends jamais rien. Tu n'as jamais rien compris. Tu ne comprends rien au drapeau corse. Tu ne comprends rien à mon histoire. Tu ne comprends rien à mon bouquin. Tu déformes tout. Ça, c'est ton fonds de commerce. Tu fais tout déformer. Et après, tu en fais des vérités. C'est de la teumeur, car il te clash. Hein? Va NTM.